Et salut salut les Anzarés, c'est Alex pour vous servir. Aujourd'hui, je vous emmène en balade avec moi sur les contours de Lyon. Figurez-vous qu'on est le 26 décembre et qu'il fait très très beau, c'est très très bien. Mais je me suis aussi fait un petit cadeau de Noël, c'est-à-dire une nouvelle caméra. Et je suis là aujourd'hui pour la tester. C'est pour ça que j'ai un peu une tête de déterré en fait. Parce que j'ai passé le gros de ma matinée sur mon ordinateur. Et donc en fait, parmi les différents choix qui m'ont mené à prendre cette caméra, il y avait la vision de nuit qui m'intéressait beaucoup. Donc... Parce que c'est la nuit qu'il y a les jeunes qui sortent pour fumer du crack. Je l'ai lu dans le Figaro. Donc du coup, je veux tester tout ça. C'est pour ça que je pars en fin de journée, ça me permet d'avoir le coucher de soleil et le lever de la ville, j'espère, de Lyon. Donc j'ai pris le train jusqu'à la gare de la Part-Dieu, puis je me suis rendu jusqu'à Oullins, où je suis à présent dans les petits quartiers. On va traverser toute la colline de Fourvière qui se trouve ici. Ça a l'air plutôt assez sympathique. C'est un endroit, bon bah pour ceux qui le savent, moi j'habite à Lyon pendant un moment quand même, pendant presque 10 ans tout cumulé. Et donc par cette colline, bah en fait ça nous donne une vue en hauteur de Lyon. Et comme bah, on est quand même proche du solstice maintenant, c'était il y a 5 jours, hein, à l'heure actuelle où je vous parle en tout cas. Et donc le soleil va se coucher assez tôt. Et donc du coup j'aimerais bien tester cette nouvelle caméra. Donc aujourd'hui je vais m'amuser à prendre des images. Et je vais essayer de vous en faire profiter. Dites-moi ce que vous en pensez. Ici l'effet 26 décembre, mais alors franchement c'est d'un calme, c'est hyper calme, il est 15h, il n'y a quasiment pas de voiture. En fait dans ces quartiers là c'est très très facile, je me rends compte, et à Lyon c'est vrai aussi, alors que c'est une plus grosse ville que celle que j'ai faite d'habitude, mais je m'en étais déjà rendu compte dans les autres. En fait quand on est dans des quartiers résidentiels comme ça, il y a des grands axes, qui drainent absolument toute la circulation automobile. Et en fait, c'est très facile de s'en échapper, en fait, tout simplement, en prenant des petites rues à droite à gauche. Alors, faire gaffe, parce qu'il y a souvent des impasses. Mais globalement, c'est plutôt assez simple, et ça rend toujours les promenades vachement plus agréables. Vous voyez ce bosquet, là? Juste derrière, il y a un truc un peu particulier, regardez, je vous montre. Alors, est-ce que quelqu'un... peut-être arriver à deviner avant la fin de la vidéo ce que c'est que ce truc. Ils l'ont découvert juste à cet endroit-là, juste pour qu'on puisse le voir, parce que c'est un monument très très important de la ville de Lyon. Bon, alors vous m'en voudrez pas, je suis pas très loquace aujourd'hui, parce que ça fait un peu plus de 2 mois que je me suis pas prêté à l'exercice de la cinématographie en face à face, solo dans la rue. Je m'attendais pas trop, en fait, j'avais pas trop réfléchi à ça, mais c'est vrai que la caméra, plus la poignée, plus le micro, enfin tout le bazar autour, ça a quand même de la gueule. Faut avouer que c'est quand même très joli comme objet, et donc c'est un peu volumineux quand même, et je suis moins habitué que du regard des gens que le simple fait d'avoir sa caméra au bout d'une perche. Donc ça c'est un truc auquel il va falloir que je me fasse aussi un petit peu, ça va pas être forcément très très drôle. Ah. J'en ai vu des panneaux bizarres dans ma vie, hein. C'est mon métier. Hein. Mais alors celui-là, je me demande bien ce qu'il veut dire. Vous voyez, j'avais peur de la stabilisation parce que dans les avis qu'on peut lire sur internet, parce que je me suis quand même renseigné hein, avant de mettre de l'argent dans une caméra, il disait qu'effectivement il y avait le petit problème de cette caméra, c'était sa stabilisatrice. Et la stabilisation numérique n'était pas précise. Et bien écoutez, moi j'ai qu'un petit écran hein, pour voir un peu ce que ça donne, on verra après en grand. Hein. Mais je suis en train de marcher et j'ai l'impression que ça va être plutôt pas mal en fait cette histoire. Hein. Je crois qu'il y en a qui font un peu la fine bouche. Je viens de tomber sur un truc, c'est cool, ça redonne un petit peu l'essence même du pourquoi de mes vidéos. Regardez, je suis au milieu d'un parking et il y a un petit bâtiment qui est juste là. Regardez ça.
Et en fait, on dirait une antenne téléphonique classique juste en haut. Et en fait, pas du tout. Enfin, pas du tout, si, mais en fait, c'est son ancêtre. Vous voyez ce petit bâtiment, je sais pas, ça ne fait même pas 8 mètres carrés, un truc comme ça. Eh bien, en fait, c'est un ancien télégraphe. Les tutos d'Alex. Les tutos d'Alex. En fait, il y a un mec petit, pour pouvoir faire des conneries avec ses frères, pas se faire gueuler par ses parents, et il a inventé un système de vocabulaire avec ses bras, en bougeant ses bras, en tournant ses bras. Son idée, elle a persisté, puisqu'après, il a inventé des tours, et il a perché des espèces de bras mécaniques au-dessus de sémaphores, qui étaient visibles les uns les autres, sur plusieurs centaines de kilomètres, des fois, en relais. Et en fait, ça a révolutionné complètement la communication à longue distance, parce qu'à l'époque, pour pouvoir faire un Lyon-Paris, il fallait compter un peu plus de 3 jours pour un postier. Et en fait, on est descendu là à 40 minutes grâce à ça. Je vais vite, je m'entraîne à ne pas perdre une seconde. Ta gueule ! Donc ce petit garçon, c'était Claude Chap. Et Claude Chap a inventé du coup le télégraphe Chap. Alors ça avait ses limites parce que forcément, quand il fait nuit ou quoi du brouillard, la communication elle passe pas très bien. Mais bon, du coup après l'électricité elle a pris le relais, mais c'était quand même le premier texto envoyé, hein, à proprement parler. Même Zidane, même Einstein ont tous fait des conneries. Même Sarkozy, même le petit Titi. C'était vraiment très intéressant. Et là comme ça vous dit quelque chose ? C'est l'autre morceau que je vous ai montré tout à l'heure qui était dans la terre, dans la fosse. Non, toujours pas ? Bon, et si je vous montre ça, vous l'avez là ou pas ? Eh oui, ça c'est le théâtre antique romain, et donc les parties que je vous ai fait voir juste avant, c'était l'aqueduc de Lugdunum. Pardon, j'ai eu un peu de mal à le dire, c'était pas intuitif. Mais oui, c'était l'aqueduc du Gier, l'aqueduc le plus long aqueduc romain après celui de Rome lui-même. Bon, et je suis obligé de vous faire une conclue en voix off. Parce que comme vous pouvez le constater sur ces images, j'ai réglé mon appareil sur slow motion. Du coup, les images sont ralenties et n'enregistrent pas le son. Mais ce n'est pas grave, puisque je vais continuer à parler même si mes lèvres ne sont pas synchronisées. Voilà, cette randonnée urbaine, elle était franchement pas mal. Et les images,
Je les trouve vraiment pas mal. Voilà, c'est tout. Abonnez-vous. Bisous les Zanzare. À bientôt. Ciao. Bisous. Ciao.